Salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'une prochaine princesse Disney lesbienne. J'espère que ça va vous plaire, c'est parti. Donc en fait je suis tombé sur un article cette semaine qui venait des directeurs de Vaiana et qui ont dit la chose suivante: une princesse Disney pourrait arriver bientôt. Alors on pourrait arrêter la vidéo ici, voilà, c'est une annonce importante, c'est super cool, mais j'aimerais quand même vous donner mon avis, ce que j'en pense. Est-ce que je trouve que c'est une bonne idée, une mauvaise idée, une princesse lesbienne, est-ce que c'est bien ou pas bien? Je vais vous dire ce que j'en pense tout de suite. Ce qu'on sait de plus dans cet article, c'est que pourquoi Disney s'est penché sur une princesse LGBT, c'est parce qu'il y a eu pas mal de pétitions justement parce que la communauté LGBT voulait justement une princesse LGBT, voulait qu'il y ait une princesse qui leur ressemble, que ce soit un peu plus accepté par la société. Et en fait, vu la demande qu'il y a eu, eh bien Disney a trouvé que c'était une bonne idée. Et il nous explique en fait par la suite que Vaiana ne pouvait pas vraiment avoir de relation amoureuse, que c'était pas vraiment le type de personnage, mais que pourquoi pas faire une princesse avec, pourquoi pas, une guerre des royaumes, peut-être deux royaumes, deux princesses qui se battraient et finalement tomberaient amoureuses, ou pourquoi pas deux amis, enfin voilà, en tout cas, dans l'idée de Disney, ça pourrait arriver bientôt, ils sont en train d'y réfléchir, et je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors pourquoi c'est pas mal? Parce que honnêtement, je trouve que c'est bien, Disney évolue vachement avec son temps. Je vais en parler bientôt dans une prochaine vidéo avec un tout autre sujet, vous allez voir, c'est prévu pour 2018. Mais Disney avance avec son temps, Disney évolue par rapport à la société. Et c'est vrai que je trouve ça dommage parce que, bon, on sait très bien que le mariage pour tous est accepté, mais en vrai du vrai, beaucoup de personnes pointent ces personnes du doigt et beaucoup de personnes parlent sur ces personnes. Alors que si Disney nous produit une princesse LGBT, mais alors là, dans la tête des gens, ça va beaucoup évoluer. Pourquoi? Parce que pour beaucoup de personnes, Disney nous montre un peu comment est la société, nous montre un peu le chemin à adopter. Avec par exemple Zootopie, la petite lapine qui est toute fragile, qui est une femme, eh ben, va se dépasser et va montrer un peu justement qui elle est et qu'elle peut être beaucoup plus forte que n'importe qui. Et c'est ça qui est vachement bien avec Disney et que j'aime justement dans cet univers, c'est que ça évolue et ça ne reste pas justement dans ses premières positions, comme avec Blanche-Neige qui était justement la femme à faire le ménage, etc., et qui ne faisait pas grand chose, qui était un petit peu neuneux. Et quand on voit les nouvelles princesses Disney avec justement Elsa ou encore Vaiana qui ont la détermination, qui prennent leurs décisions, et avant la femme était vue comme la femme qui restait dans la cuisine pour faire à manger, etc., Disney nous montrait ça à l'écran, la femme a vraiment évolué dans la société et Disney nous montre ça à l'écran. Et c'est ça que j'aime bien, c'est que Disney sait évoluer par rapport à comment ça se passe dans la société. Donc c'est pourquoi j'adore cette idée de faire une princesse LGBT. Au moins ça pourrait apprendre à nos enfants que c'est quelque chose de normal, que c'est pas quelque chose de bizarre, que c'est quelque chose qu'il faut accepter. Et par la suite, si ça peut aider des gens à trouver leur sexualité plus tôt, et ben pourquoi pas. La seule chose que j'espère de cette princesse, c'est que ce soit pas ambigu. J'espère que cette princesse assumera ses choix, que cette personne sera sûre, et que ce soit pas une personne qui se dit « Ah, peut-être que je l'aime bien, peut-être que... » Non, je veux qu'elle soit sûre, et que je veux que ce soit montré à l'écran que si c'est une princesse LGBT, eh ben qu'elle l'est, c'est tout. On sait très bien qu'à la base, on a eu des échos sur Elsa de la Reine des Neiges. Moi, j'avais pas trouvé cette idée bien, parce que justement, Elsa est un personnage qu'on connaît déjà, et profiter de la notoriété d'un personnage pour passer des messages, je trouvais pas que c'était une très bonne idée. Et honnêtement, je préfère que ce soit une nouvelle princesse. Bref, les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, le petit pouce bleu, et surtout, n'oubliez pas que tout le monde a le droit de rêver. Alors, pourquoi pas vous ?